Le prince Charles Sacré Roi, qu'adviendra-t-il du rôle de Camilla Parker Bowles au sein de la famille royale britannique? Le magazine Harper Bazaar a mené l'enquête pour savoir si, oui ou non, la duchesse de Cornwall obtiendra le titre de reine. Et il s'avère que oui. Et cela remonte au 9 avril 2005, lors du mariage de Charles et Camilla au Windsor Guildhall. Il avait été acté ce jour-là que Camilla Parker Bowles soit appelée la princesse consort, qui sera donc l'appellation officielle. Il est prévu que Madame Parker Bowles utilise le titre HRH The Princess Consort lorsque le prince de Galles accédera au trône, avait indiqué Clarence Harve, qui représente Charles et Camilla, en amont de la cérémonie de mariage, en 2005 déjà. Et si le public avait des interrogations en raison du divorce du prince Charles et du titre accordé à Camilla lors de leur mariage, à savoir duchesse de Cornwall et non pas princesse de Galles, accordé à Lady Diana lors de son mariage en 1981, cela n'altérera pas le plan initial. Ce que Clarence House a confirmé une nouvelle fois en ce mois de mars. La volonté de la duchesse est toujours de se faire appeler princesse consort quand le prince arrive au pouvoir, peut-on lire dans un communiqué. Cela a été annoncé lors du mariage et ne changera pas. Les médias louent sa gentillesse une princesse, qui n'aura donc pas le titre de reine, mais qui devrait ravir la presse outre-Manche. Et pour cause, Camilla Parker Bowles est très appréciée des médias britanniques. Juste pour dire merci pour tous les beaux messages concernant ma publication sur la duchesse de Cornwall, écrivait en janvier dernier Rebecca English, la journaliste du Daily Mail qui suit la famille royale. Si est en effet une joie de travailler avec elle, qui ne râle jamais de répondre à nos sollicitations. Ce sens du plaisir transparaît dans son travail et si est-il agréable de voir les gens apprécier cela. Une future souveraine déjà aimée de, presque, tout le peuple ?